C'est une salle de consultation entièrement rénovée, plus fonctionnelle et toujours plus tournée vers le numérique qu'Hervé Guémard et Renaud Beretti visitaient ce jeudi 13 septembre aux archives départementales de la Savoie à Chambéry. Les travaux ont été engagés en septembre dernier et les nouveaux aménagements achevés permettent désormais aux visiteurs de faire leurs recherches généalogiques, administratives ou historiques en toute quiétude et grande nouveauté d'accueillir périodiquement des ateliers conférences. Nous avons voulu ici en Savoie avoir un système le plus commode pour les personnes qui veulent venir conserver les archives. Donc cela veut dire d'abord une numérisation pour avoir accès par Internet le plus facilement possible, même sans venir ici. Et je rappelle que toutes ces consultations sont évidemment gratuites. Et puis pour celles et ceux qui veulent venir ici consulter sur place, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle salle de lecture qui est plus confortable en distinguant les personnes qui ont une demande imprécise. Et donc là, nous avons des archivistes qui les aident à formaliser leur demande. Et puis nous avons par ailleurs un autre public qui sait exactement ce qu'il veut. Donc il peut commander à l'avance les documents qu'il veut consulter et ils les attendent ici dans cette salle où règne le calme absolu. Ces nouveaux locaux feront partie du programme de la Journée européenne du patrimoine pour les archives départementales, tout comme l'exposition « La Savoie dans la guerre 14-18 » proposée dans une salle adjacente. Mais les GEP 2018 en Savoie, c'est aussi une série d'activités mises en place par le département à l'abbaye d'Hautecombe et au château des Ducs de Savoie. Trois sites pour convier nos visiteurs dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Alors évidemment, le château des Ducs de Savoie, qui en lui-même est un lieu très visité chaque année, avec les salons, bien sûr, d'honneur, la salle des délibérations, la Sainte-Chapelle. Donc le bâtiment lui-même est à découvrir ou redécouvrir. Les archives départementales où nous nous trouvons, quai de la Rille, seront également ouvertes, avec une visite proposée de ce bâtiment, qui enferme donc tous les secrets et les trésors de notre histoire. Avec une nouveauté, ces deux salles, une atelier des archives pour le grand public, pour échanger, puis une autre plus spécialisée. C'est une première en France de proposer deux espaces comme ceci pour la découverte de nos archives et échanger autour. Et puis, c'est ce que vous voyez derrière moi, une exposition permanente sur la Grande Guerre, 14-18, la Savoie dans la guerre, et puis un cycle à la fois de conférences, samedi, conférences sur la guerre, deux conférences, l'une sur le régiment de Savoie en occupation en Rhénanie en 1919-1920, et puis une autre exposition sur les conséquences de la Grande Guerre en Savoie. Ça, c'était pour samedi. Et puis dimanche, c'est de manière un petit peu plus théâtralisée, avec des animations surprises. Voilà, une découverte également autour de ce thème important de l'anniversaire 1918-2018 de la Grande Guerre. Et si vous préférez prendre la direction du lac du Bourget, la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe, voit-elle son exposition sur les Ducs des Alpes, prolongée pour l'occasion et jusqu'au 23 septembre.